Salut les amis, alors voilà, on se retrouve pour sur mon application Swissborg en fait pour mon premier rééquilibrage. Bah voilà, donc il reste, on va le faire en direct, il reste 49 secondes. Donc pour l'instant, bon, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Bon là, vous pouvez vous rappeler que j'avais investi 500 $ moins les 1% de frais, donc il y avait 495. Hein, ici, on peut voir, voilà. L'historique, eh ben, on va le voir maintenant, j'imagine. Dès que. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, la location. Donc, vous voyez là, on est quand même très proche de la cible. Hein. Voilà, le rééquilibrage est en cours. Et voilà, et ben du coup, après 1 minute de rééquilibrage, et ben c'est rééquilibré. Alors on va aller voir dans l'historique. Bon, ben c'est simplement en fait la date et qui dit. Ah non, ok, donc il y a le détail. Alors, on a les frais de 0,05 $, ok, le rééquilibrage d'identité au pourcentage le plus proche possible, et ben d'accord, donc. Donc là, vous voyez, donc de Swissborg, on était donc il y a quelques minutes à 10,12, on est revenu à 10,01. Secret, voilà. Bah voilà, vous pouvez voir un petit peu maintenant. C'est là qui était à 4,93, bah et à 4,99 alors que la cible était de 5. Voilà. Et bien, vous avez vu ce que c'était. Je crois qu'il n'y a pas autre chose. Donc l'historique, c'est bon. Paramètres, ça change rien. Bah voilà, bah je crois que c'est tout. Donc vous avez simplement en fait une vue d'ensemble du rééquilibrage. Bon alors.